Hier soir, après matin à tout, gagné dans Duval, dans le coin de bouquet. Moun Duval, quoi de bouquet. Gon monsieur Gombizis qui est les attirances, qui sont bar. Et puis hier soir, plusieurs jeunes garçons débarqués dans le bar là, dans attirance, dans Duval. Ils viennent boire, ils mangent, ils sont contents. Les gens viennent boire, ils disent mettre bar là, en aller. Ils kidnappent, mettent attirance là, hier soir, dans Duval, dans le coin de bouquet. Par exemple, bar là tellement fait classique. Nous finissons la voir pour nous faire comme là nous-mêmes. On va même besoin de toucher dans nous et puis nous lever monsieur à la belle. OK? Dans attirance, bar attirance hier soir, dans quoi le bouquet dans Duval. OK? OK? Bandi Azam kidnappé donc propriétaire bar attirance donc dans Duval dans quoi le bouquet. Monsieur entré dans bar là, yo manger, yo boire et puis là au fin boire, yo commencer sous et puis yo les amis dit monsieur en aller donc c'est kidnapping. Et puis, par exemple, je me disais, je ne vais pas aller dans moi, mettez une machine pour débrouiller, allez. Donc, on a parlé là, donc, et mettre attirance là, lui, pratiquement, donc, dans mes bandits, dans quoi d'un bouquet. Alors, mais ça me donne ça, là, oui. Comme si. Kidnapping, ça peut plus classique que tout le monde. Pas aucun monde qui empêche, comme si. Rien. Aucun, pas. Il n'y a pas qu'à empêcher les gens de faire rien là, qu'il y a quelque chose à côté de les gens qui veulent faire un kidnapping, qu'il y a fait lui. Écoutez. Oui, oui, il fait dans l'église, dans l'église là même. Mais quand il y a fait l'un d'un bar là, sans problème. Il est rentré déjà et mais il prend un monde dans parking dans hôtel là dans la cabine elle-même. Oui. Finalement. Sans problème. En tout cas, on allait. Nous parlons de paix et le grand, ça passe c'est bon de paix. Allô? On gars, ça passe c'est bon de paix. Allô? Oui, on gars, ça passe c'est bon de paix. Bonsoir, locaux, bonsoir, auditeurs, 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 les plus de l'émission matin débat. Locaux, j'en ai un nom, il y a une équipe citoyenne concernant qui a lancé une mobilisation face à compagnie téléphonique et l'ANACOM pour manifester contre les mauvais services et compagnie à bail de développement de ça. Yo pour la rue, tu as une manifestation, ça va là. Allô? Oui, moun yo pour la rue, il y a une manifestation contre Natcom, ça va là. Oui, je dis là une manifestation locaux et contre j'aime contre Natcom et moto taxi pour la rue, peut-être pas des verres sorti pour manifester contre Natcom, contre mauvais traitement et mauvais service. Et la com a bien le droit de ça. A noter, c'est Daniel Lorisson qui lui-même, c'est pour l'engagement et pour te mobiliser le peuple là, contre le pays ça. Et bien, semaine, ça c'est pour la com. Semaine prochaine, et quand c'est pour le coup du Israël, pour moi, et pour le pays ça, et respecter les droits et droits clients, pour qu'on va dérancer, pour l'argent de service qui a besoin. Mounio là, il est toujours en guerre. Hello. Allô. Mounio là, il est toujours. Non, Mounio c'est ça, c'est André et il est monté là, sur la com qui est en surprise là. Il est chaleur et il a là son message. Et il descend devant la com qui est dans la rue. Non, il vient de Sylvain pour lancer son message. Et vous avez dit, demain, si vous avez dit, il y a une saison flèche. Et comme la police, le commissaire gouvernement, ou le commissaire gouvernement, nous faisons sujet avec ça. Il y a une saison flèche pour la COP. Eh bien, la conversation, Bill, il était sous place, c'est l'évolution, Fanny Gonnet. D'accord. Oui, bon, voilà. C'était donc Port-de-Paix, donc Natcom et Mounio plein pour mauvais service qui a venu de compagnie Natcom donc à Port-de-Paix. Donc maintenant, tu as gagné une tentative pour être capable de manifester donc contre compagnie ça Natcom à Port-de-Paix. OK. Et question kidnapping non et faut que nous parlions rapide. Nous va rendre compte que aujourd'hui à kidnapping non tourné un produit de première nécessité pour les bandits. On t'a dit ça? C'est même Jean Bandi a Ligue envie manger, li manger. Même gens que Ligue envie à la toilette, là dans toilette. C'est même gens tout, li besoin l'argent, l'envie gen cob, ça le fait, il faut kidnapping. Et puis ça passe comme ça, il y a rien. Devine de coup son produit de première nécessité. Même gens moun gen envie manger, l'envie dormir, l'envie boire de l'eau, et ben bandi a li même jodi a li décider. Donc fait cob, li décider
il besoin petit corps pour construire un bagage, il besoin petit corps pour vous aller. Donc il fait kidnapping j'enlève sans problème. Donc dit que je dis hein, mais ça nous gagne pratiquement dans le pays. Comment on fait comprendre avant hier monsieur Grand Avignon c'est beauté au beauté mon monde en l'air. En vingtaine. Machine oui. Beauté. Le quoi ouais na bail ça. Alors faut que tu as dit gouvernement al pote viande, l'al pote manger. Bah une grande avenue. Beauté, beauté. Beauté. Mais écoutez, oui, ménager, si c'est si pas, si c'est pas l'argent, c'est si pas manger tel poté bah une grande avenue ou un village de Dieu. Pour qui ça va faire ça va là? Ça va faire là? Et je dis à la police ça tellement démotivé. Il lève couri. Mais comment faire aller couri? N'ayez pas la ria. Comment faire aller couri après maintenant tout? Alors police va mourir pour là. Eh vrai? Il y a pas besoin aller. Il y a pas faire pour mourir pour là. Il y a pas besoin aller. Mais pour qui ça va aller? Tenez-moi. Ah bon? Écoutez, si on pas de faire ça, pas d'abgain près de vingtaine kidnapping là. Louko bon bon histoire. Bah ça va bien bien comme ça. Ouais ça gueule en pays pas caille comme ça maintenant tout. Ah ouais. Louko franchement gain deux frères au kidnappé. Non mouvement ça monde qui a passé, yo prend monde, nous prend ou même rester là, nous bon. Gain deux frères au prend. Louko. Nek ça au même sûrement de $50,000 yo derrière bagarre. Bon, yo m'a dit n'ayon l'argent, n'ayon dit même non l'argent, on va pas répéter. Parce que même yo a un côté pour yo t'aller vivre joindre l'argent du tout. Des frais. En tout cas. Bah, mais c'est pas écoutez. Pour qui ça c'est... Comme si tête la police ou bien gouvernement a fini pour la police comme ça monsieur. En tout cas. Mais que des gens n'ayon dans la rue là. N'ayon dans la rue là, man. Toutes mauvaises conditions, policiers. Non, écoutez, mais pas gain, pas bon mentir. J'ai une situation là, c'est que j'ai des policiers même comme parler avec eux, d'où le côté moi même j'ai là. Non, temps ça là, il obligé va prendre et congé maladie. Il y a un médecin pas eux parler avec eux, donc faire une consultation et puis bon papier donc congé maladie parce que je m'arrête là, c'est que bah là très difficile. Ah, extrêmement difficile. Et m'était dit ça ici dans matin débat. Si la police connaît que le village de Dieu même pas grand ville. Et qu'il n'y a pas de capacité pour avoir des résultats. Il n'y a pas même besoin d'aller. Parce que ça qui passe le 12 mars dernier, s'il passe encore avec la police a tout crasé. Ah oui, je dis qu'il n'a pas besoin de donner un produit de première nécessité. Parce que jeunesse cap monté là. Nous, qu'elle n'a pas une vidéo sur les réseaux sociaux. Des jeunes garçons. Moi, on a boxe. Tout sale, mais qui est gros, ça me demande. Il y a un boxe seulement. Ok? Et qui décide de faire kidnapping sans problème. Lui envie de l'eau, la relation bidon de l'eau. Même j'ai toujours dit, lui envie de faire kidnapping. L'un est colossal à son monde. Et puis il kidnappe un monde. Et puis ça passe. Le monde n'a pas payé, s'il est capable. S'il va payer, il est tout seul. Je dis à nous, combien de monde qui est tout dans le kidnapping et que parrain ne va pas parler. Comme si... Mais c'est grave, hein, ça a passé là dans le pays, madame, monsieur. Moi-même, je suis clair, je suis quoi que. Ça ne va pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça. L'a continue comme ça. Qu'on l'a campé. Du coup, écoutez, c'est pas parce que bagaille 12 mars l'arrivé qui fait la police vienne affaiblir comme ça, non? C'est traitement même gouvernement avec la police bagaille policier avec parents policiers qui mourir. Oui? Mais ils sont pas réglementés n'importe quoi. Tu m'as dit que 10 ans. Mais Louko. Parce que écoutez, depuis longtemps, jusqu'à présent, pendant la parole là, il y a des policiers qui sont morts dans l'opération Bagdad. Jusqu'à présent, des familles sont jeunes de la police. Ok, tu m'as parlé de presque 5 à 10 ans depuis la police là. Oui. Alors, il y a des raisons. Traitement, justement, que le pays a changé. Traitement, oui. Alors, il y a des raisons qui font que tu es replié, mais l'information fait quoi? C'est le ministère qui est fini. Alors que Negra vient y a descend avec beaucoup de cartouches. Je sais, pour qui ça vous pas replier. Votre policier a ouais de mais nous dit ça ici ya. Policier a gardé li ouais. Gon travail qui t'a pas le fait, un policier mouri. Ou pas encadré même dans l'an mort. Parole pas je n'ai aucun encadrement. Mais policier c'est dans la police, c'est ça la vie. Mais vinn comprendre d'où? Li vinn comprendre que bataille sans bataille policier. C'est bataille politique, li pas faire comme policier. Il pas aucun monde qui a protégé. Il pas mal mourir pour aucun nègre, aucun vagabond qui a fait politique dans pays ya. José. Donc, policier ligue famille lui-même. Mais je sais, regarde là-dessus, attendez. Ou comme les policiers, je dis à madame, ils ont empêché le travail. Ah, monsieur, mais finalement, monsieur. Comme les policiers, madame, ils ont demandé de ne pas mettre pied dans la police. Elles sont combien?
Ça bon c'est bon. Et tout même pas gain mot non et raté monsieur et population en quatre. Il y a des population. Je vais pas sur la canaille. On parle non, comme les bon. Ah ou des. Non mais finalement mais il faut que bon bagage qui dit non parce que on paye il faut que les gain force de sécurité la donne. C'est bon Dieu pour adresser. On aller. OK, on aller rapidement regarder ba yo. On regarde nous gain 3 points et nous gain 3 points qui retirent la sous table là. La point oui. On aller avec le sénateur Youri la tortue. Haïti politique. Déjà une soixantaine de partis politiques s'entendent sur une sur un éventuel accord pour sortir Haïti de l'impasse. Jeudi 22 avril 2021. Haïti jodi a li vin tan kou son petit bébé nan men les Américains. Parce que dossier Haïti a li vin un défi pour les Américains. Et les Américains sont très impliqués dans la négociation qu'a fait là pour garder possibilité pour mettre acteurs ensemble pour retirer pays dans sa livre là. Ici en matière de bande toujours poser question. Et hier encore, nous t'a posé question. Est-ce que le président Jovenel Moïse parle capable de griver, jouer nous encore, il y a entente entre les acteurs politiques, pour au moins nous t'entendre nous sous trois bagailles, qui c'est le référendum, vu que nous d'accord que je dis dans le fond, il n'y a aucun problème, tout le monde d'accord, il faut que y ait une autre constitution, ou bien un remaniement donc, constitutionnel, pour nous entendre nous sous élection ou bien probablement donc y ont éventuelle transition et parce que là c'est dans phase ça que nous y est qu'on y a là la date du 27 juin 2021 nous te dit Lucien dans matin débat si le président Jovenel Moïse raté date 27 juin 2021 alors sous question date 27 juin 2021 pour date ça reporter encore c'est dans cadre encore. Sous question conseil électoral provisoire pour ta en fait changer des membres du moins craser conseil la refaire c'est encore dans cadre encore. Maintenant si pas gagne encore du côté du président Jovenel Moïse yo clair sous question même yo parler tête droite yo parler vers mur là grand pile monde qui croit que c'est vers mur là yo même peut-être yo pas croire que c'est vers mur là. Maintenant qui bon nous y est là qui ça qui position opposition les partis de l'opposition côté au campé. On nous a question avec le sénateur Youri la tortue. Et puis ensuite, deuxième phase, analysant Balouel avec le sénateur Joseph Lambert, nous a que cap positionnel et qui baille vérité donc, au président Jovenel Moïse. On nous a première partie analysée avec le sénateur Youri la tortue, donc coordonnateur donc, du parti politique AAA. Sénateur la tortue, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment on est? Allô? Sénateur la tortue, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment on est? Et Louko, moi salue tout notre panélisio, moi salue tout auditeur, auditrice, capteur d'émission, et spécialement tout auditeur, auditrice, dans la Tibonite, moi salue yo. Et nous profiter de saluer sa capteur de nous également dans notre bout. Rapport à date 7 février 2021, je dis que le mandat du président prend fin le 7 février 2021. Et nous t'ai dit que bien avant 7 février, oui, le président, eh bien, mandat fini, il faut que mon départ ordonné. Et nous toujours répéter même parole ça, yo, parce que je dis, la situation que nous vivons, eh bien, même si c'est demain président qui va aller, nous t'ai dit, il faut que mon départ ordonné. Donc, ces affaires-là, on a parlé de médiation, nous dit c'est médiation pour un départ ordonné. Mais je dis à Louko, situation est beaucoup plus compliquée, puisque, eh bien, nous arrivons à une situation côté que nous pas qu'à mettre plus haut dans la rue. Ouais. C'est-à-dire que l'insécurité a, vit dans une situation côté que c'est l'insécurité qui est la règle. Ouais. L'insécurité a, c'est réception. Ça veut dire que, côté que, où est que la police, justement, et l'armée, à genoux devant bandit. Deuxièmement, on a une situation côté que tout ça que tu as parlé, parce que je dis à nous-mêmes, dans l'opposition, on dit que nous pas peur élection, nous-mêmes, dès que conditions politiques
les conditions techniques qui ont été réunies et notamment l'élection, il y a des conditions politiques, eh bien, le départ du président Jovenel, les conditions techniques, c'est un nouveau CEP et un audit de cartes électorales et puis sécurité pour tout le monde. Je dis que nous-mêmes, nous pas peur qu'il y ait une élection. Mais je dis, ça nous remarquer, c'est que ça même, et Jovenel Moïse, pour planifier pour le Tefenania, déjà, il est impossible, puisque pas même gagné question cardio qui est disponible. Ça veut dire que je dis à la situation que nous y a là, et président et PHTK a été dit, moi-même moi te dit déjà, je viens reprendre, eh bien, actuellement, je dis qu'on a enregistré 4 400 000 cas. Je dis qu'on a distribué 3 200 000 et gagné 7 600 000 électeurs. Donc ça veut dire que nous pas même dans la situation pour que je dis à aucune entité parler d'élection, parler de scrutin, parler de référendum, parce que pas de cas qui est disponible pour chaque monde. Eh bien. Et dans la situation, ça a, et c'est la première fois que ça est arrivé. Le président dominicain a interféré dans l'affaire interne pour dire que, eh bien, le gouvernement n'a pas la possibilité pour le bail moun 4. C'est peut-être ça que vous pensez qu'il y a une crise dans le pays. Et l'élection n'a pas l'air, dit pas ouais ça lui-même. Donc, dans ce sens, et c'est la première fois depuis 1844, depuis l'indépendance de la Dominicanie par rapport à Haïti, que vous entrez dans l'affaire interne. Et où est président haïtien a même dit que eh bien son incident diplomatique ou bien il a été rappelé ambassadeur Sanouguel ou bien il a été demandé ambassadeur dominicain explication parce que dominicain pas jamais rentré dans l'affaire interne politique et c'est la première fois l'entrée. Ouais, ou pas là. Donc pas même fait ça. Ça veut dire yo reconnaît exécutif haïtien reconnaît que qu'on problème vraiment, il reconnaît que le bac a avancé. Et reconnaître que tout ça que le poil fait là, eh bien, il y a pas caché d'irrégularité, il y a pas caché, eh bien, d'inefficience, et la non-situation que il n'y a pas passé. Donc, pour nous, la situation, ça, pour nous, parce que la meilleure chose à faire, eh bien, c'est justement un départ ordonné pour que nous mettions le pays à sous rail, et pour que, justement, nous arrivions dans une situation. Côté même bon gouvernement inclusif qui a mené toute partie vers l'élection. Eh parce que la question de référendum, nous pensons que son bail qui biaisé au départ. L'irrivée, c'est vrai qu'il y a pile monde qui était d'accord pour changer la question constitution, mais il est mal abordé, il est biaisé et ou pas qu'à manier la constitution dans une atmosphère aussi excitée, aussi délétère. Moi, je crois que là, il faut le reconnaître, et c'est ce que je dis toujours à tout le monde qui parle de yo, de questions de référendum. Maintenant, si nous voulons aller vers les élections, il faut que nous gardions les questions politiques là pour nous résoudre les questions techniques yo, pour que au moins le pays ça ait sorti de cela et un gouvernement stable. Mais les questions politiques aujourd'hui, il faut que nous accordions pour un départ ordonné et il faut que gagner les conditions techniques yo, qui c'est la question de la carte électorale, l'audit de la carte, la question sécuritaire et la question de la mise sous pied du CEP. Eh bien, alors là, départ ordonné, les questions politiques, questions et référendum, constitution et élection, ou d'accord que c'est dans le cadre d'un accord politique, est-ce que je dis à ta parler pour ta citation si avec des acteurs pour nous t'arriver donc vers cet accord qui est capable de permettre que le pays sorti dans l'impasse que je dis là? Oui, d'ailleurs, nous t'ai dit même, nous t'ai parlé de médiation, nous t'ai parlé de chita d'attendez, nous t'ai dit que position à déclare ton chita d'attendez pour un départ ordonné. Non, nous déclare la donne et nous dit que je dis à, ou pas qu'à rester, c'est un pays qu'on gagnerait, que mon départ qui va planifier, il faut un départ ordonné. Et si nous avons un départ ordonné, nous avons chita d'attendez pour planifier le départ là. Eh bien, et La nomination de M. Claude Joseph comme premier ministre Haï, nous-mêmes ici en matière de débat, nous analysons, nous voyons tant que c'est un pion que le président Jovenel Moïse a avancé, il le mettait sous table et que l'État a ouvert même, donc bah, l'opposition, pour l'opposition lui-même, tu as profité dans le cadre de négociation pour être capable au moins de mettre le monde dans le primature. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, nous-mêmes nous analysons comme ça? Au niveau de l'opposition, la question de Claude Joseph, c'est un détail.
Parce que ce n'est pas un problème pour le ministre qui j'aime gagner. Ouais. À partir du 7 février 2021, pour l'opposition, c'est la question du départ ordonné. Mm-hmm. Nous n'avons parlé pas du départ ordonné de joute, ni du remplacement de Claude Joseph. Nous avons parlé du départ ordonné du président de la République. Donc, question ça, pour nous, on est venu en détail. Et ça qui intéresse nous, ce n'est pas lui-même. Et nous pensons que, écoutez, ouais, c'est arrivé, que ce soit joute quotidienne, question insécurité, que ce soit que Joseph a essayé, font y fort, mais il ne pas comprendre que Jodi a une atmosphère que il n'y a pas qu'à faire rien, regardez ça privé, côté que Bandi mettait l'armée et la police et à genoux, et bien en Matissant. Comment pas comprendre le coup moi-même qui en garde, au moins que Bandi a metté l'armée et la police. Ouais, donc, ouais. Et à genoux. Son bagage, vraiment, moi pense que climat délétère, puis qu'on monde pense que. À l'intérieur de ce climat, qui a venu pour laisser faire un petit bagage, prendre des mesures de conteneur, ou bien non. C'est pas pour ça que le problème l'a posé, mais déjà, je dis à problème là, il est posé dans le cadre global de banditisme de l'État, et c'est pour ça que nous posons pour nous résoudre. Et pas même un banditisme social, c'est pas un banditisme politique, nous dans le cadre de banditisme de l'État. Et si nous pas posé problème ça en homme d'État et femme d'État pour nous résoudre, ou après que. Eh bien, expérience opérationnelle que a fait, il a fini par échouer parce que il y a un climat global qui délétère que ou pas qu'à résoudre simplement en essayant d'aller un cadeau dans des opérations tactiques pour que nous déterminions une stratégie de résolution de problème là qui après qui amène opération tactique. Très bien. On nous garde l'autre scénario, sénateur, l'entends-tu? Et je crois que tout le monde comprenne que je dis hein, le fonctionnement président Jovenel Moïse, c'est quelqu'un qui est très téméraire. Son monde, côté le vrai aller, c'est là pour aller. On dit, nous pas arriver en temps de nous pour t'avoir encore, ou du moins, c'est des secteurs qui pas vraiment royaux, non chita parler. Donc, même dans le cadre du départ ordonné du président de la République, il dit non, il n'y a pas faire en rien avec le président Jovenel Moïse. Et puis, quand il y a le président lui-même, lui tête droite, lui adelante, ça qui est arrivé. Même parce qu'il faut agir homme et femme d'État. Position par nom comme parti, c'est qu'il faut prioriser l'État avant tout. Très bien. Et là, au niveau de l'État, bagaille va faire n'importe qui genre. Si mon président qui veut aller, il faut que mon planification qui fait pour pas qu'à 10 jours d'hier, ou bien c'est la rue qui vous met de ça. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, depuis 2019, nous avons toujours parlé, nous avons toujours vu la terme des pas ordonnés, et nous avons toujours dit que jeudi a au niveau de l'État, vous voulez faire que bagaille fait. C'est vrai, chaque parti a des positions, mais moi, je crois que, en tant qu'homme et femme d'État, vous obligez à rentrer dans un schéma qui est aidé l'État, parce que pas oublier, nous avons une situation qui, je dis, est extrêmement grave, côté cadeau, l'État presque pas existé, ou bon, l'État qui presque a dit. Tout le monde a dit la donne, chef de police a dit, gouverneur la banque a dit. Et le premier ministre a dit, donc, l'institution va exister, et bon président qui contestait par l'opposition. Ça veut dire que, je dis à l'État haïtien, retrouver dans une situation côté, fort, eh bien, monde qui fait politique, toujours monter dans certains niveaux pour que bagaille ne pas dégérer de la mer. Et c'est peut-être ça, comme homme et femme d'État, le nom dit, il a planifié en question de bon ordonné, au monde qui dit que lui-même, Il n'y a pas de parler, c'est la rue, ça, ce n'est pas notre position. Notre position, c'est toujours, elle n'est pas ordonnée parce que nous sommes responsables. Il y a 12 millions de monde qui vivent dans le pays. Je dis à une situation insécuritaire qui envahit toute zone, il n'y a pas qu'à résoudre dans un jour, dans deux jours. Pour résoudre, il faut que l'État appréhende les problèmes, il résout les questions politiques, il résout les questions techniques, il y a qu'à arriver à joindre en situation beaucoup mieux que ça me dit. Eh on va pas faire n'importe qui genre. De toute façon, théorie parmi eux, c'est pas la théorie de l'anarchie. Théorie parmi eux, c'est la théorie de l'État républicain qui a fonctionné, même s'il y a des problèmes, mais bon, genre que nous résoudre les questions au niveau de l'État. Eh bien, départ ordonné, ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'à 7 février 2022, il est arrivé jusqu'en décembre, il est arrivé en novembre. Voilà ça, parce que la date c'était le 7 février. Le 7 février 2021. Nous considérons tout le jour qui va se là, que le président est en situation illégale, illégitime. Et sous ces hommes d'État, tu ne peux pas tolérer même plus de 24 jours en situation illégale. Okay. Il faut que la situation résoudre. Donc je dis à vous que l'on a parlé de départ ordonné,
si vous voulez le coup, nous ajoutons le coup, c'est immédiat. Ok, ok. Donc, vous pouvez l'ajouter immédiat. Ah oui, la immédiateté, parce que, écoute, j'annouille là, je dis, à, chaque fois qu'il y a un monde que le kidnappé, un monde qui tombe, c'est parce qu'on a une situation délétère. L'État n'est pas en charge. Et là, l'État pas en charge, ça mettait tout le monde dans la population. Là, j'ai ni moi-même, ni vous-même, ni n'importe qui est. Et situation ça a, l'intolérable, l'inacceptable. Et nous, pas qu'à balle, et pour penser que nous avons temps. Nous n'avons pas de temps devant nous. Situation, on mettait chaque grain et monde qui je dis, a une situation en danger. Et je dis, il y a une pire entreprise qui vous a fermé. Je parle de situation sécuritaire. Il y a une pire entreprise qui a fermé. Juste parce que raison sécurité. Donc, il y a un expert qui vient de travailler, puisque l'expert a besoin d'entreprise. Il n'y a pas qu'à travailler, il n'y a pas qu'à venir travailler. Nous-mêmes, nous avons des choses qui nous ont pour question de manger et production de manger. Nous n'avons pas qu'à faire le coup. Et je dis, même si nous n'avons pas osé venir voir nous, nous disons que nous n'avons pas pris une route pour rester pour aller. Et nous avons une situation, par exemple, manger, disons, manger pour là, c'est 10 dollars, je mets sous sac là. 10 dollars. Et tout le bagage est monté net au niveau international. Et nous avons un goût de Jodia qui a déprécié. Même si il n'y a pas de monter, goût là, il est presque arrivé sans. Que dit que prix a monté déjà en dollars. Donc, une situation explosive. Côté que, au cas arrivé, l'État, premièrement, doit pas faire face à obligation. Et population, nous vivons côté que ça revient maintenant, pouvoir d'achat réduit. Et peut-être ça, moi, je pense que mon climat économique, politique, sécuritaire, pour que nous rangions, puisque pendant que nous parlons à l'art, il faut payer, yo face à problème Covid, il y a des excédents budgétaires qui sont obligés, des dépenses, excusez, extra-budgétaires qui sont obligés de faire, parce que nous sommes en situation côté que. Ou une situation de force majeure par rapport à la question santé, nous avons pile qu'on y a dépensé, donc il n'y a pas de quoi pour nous voir où, et c'est nous qui devons faire face à toute obligation. Déjà, nous dépasser déficit budgétaire pour l'année, et nous sommes au mois d'avril. Donc, on a dépassé longtemps, ça a été prévoir. Et gaz l'a monté, cobre l'a monté, prix produit a monté en dollars, et goutte noire a déficit. Donc, outre la situation sécuritaire, mon situation économique explosive, et moi penser que je dis à pour Haïti par au gouvernement situation de trou, il faut que, eh bien, nous gardions des questions pour en plus le monde accepter l'erreur que vous avez fait et que je dis à vous obliger nous de garder tirer les conséquences, et d'autres monde qui sont en position accepter que ça qu'il a allé extrêmement grave. Il faut faire preuve d'hommes et de femmes d'État pour camper avec elle, parce que sinon, on va arriver dans le pays, côté, il y a pile dérive. Et je dis, on n'a pas besoin de dérive, donc plus besoin que la population qui sentit que le gars mieux être. Et par rapport à la situation, ça, moi, je crois que, je dis, c'est pour samedi, il faut nous planifier ça l'affaire pour éviter le moins de casse possible, pour éviter que nous vivions une situation dans la Chine. Merci en pile, donc, sénateur, attends, merci en pile. Demandez le poussé. Merci en pile, voilà, ok. Nous devons connaître qui situation, alors qui opinion sur M. Messen, qui situation M. Messen tout tombé, dis-moi ça, maintenant tout tombé. Alors, ça, pour nous comprendre, je dis alors que l'intervention sénateur, attends, c'est que nous pouvons aller vers un accord, si nous comprenons bien. Ok? Nous pouvons aller vers un accord. Déjà, gagné une soixantaine de partis politiques. Qui déjà va lier là donc pour à quoi ça. Bien entendu, il y a le comité de médiation qui a fait contact, qui a essayé de négocier, parler, réaller tout le monde pratiquement donc sous table là. Alors, sous tendez bien, sous suivre bien intervention sénateur Latortuyon, c'est que au niveau de l'opposition, mis à part des éléments qu'on est capable de comprendre qui étaient sous code red là. Mais il faut comprendre l'intervention du sénateur Latortuyon, c'est que il retourne avec ça, nous avons discuté sur le déjà dans table, sous table matin débat, qui c'est la question du départ ordonné. Et bien c'est lui qui retourne là encore pratiquement sous table. Ma brevité, même ça me dit, ça me fait comme analyse. Les premières fois, opposition te vient avec question départ ordonné. Debout dit départ ordonné, il a fait dans n'importe qui date. Et de fait, l'un des analyses ça, il y a de cela. 2 ans, nous sommes en 2000
21, madame, monsieur. Donc, à quoi quand même? Et parti politique qui, jusqu'à présent, a du mal à rentrer dans la logique ça. C'est fusion OPL et puis ADNB, madame Maniga. C'est yo qui était là. Il est parti, vous connaissez, et mettre parti yo. Il est là de haut, c'est blanc même. Il est là de haut, c'est blanc by Pinga. Il est là de haut, blanc, dit yo, tant de non, faut-il poser Ticoc, mais ou de la bouban Ticoc. Mais fusion OPL avec RDNP, jusqu'à présent, Gengoumé. Mais, quoi que ce soit sous table là, oui. Il n'y a pas dans Diopod. Non, Diopod là, c'est l'opposition. Est-ce qu'il y a une fusion OPL là dedans? Diopod là, son bord qui l'a joué. Vous connaissez encore, il y a encore 30 janvier 2021. Oui. Diopod. C'est à quoi ça qui devine par SND, qui t'a travaillé sur question transition. Vous entendez parler par ça? Côté commission ça, oui. Est-ce que vous entendez parler par ça? Non. Ah ben. Je ne vais pas entendre. Vous entendez parler par ça? Yola, oui. Yola, oui. Vous voulez dire, yola, oui. Yola, là. Mais voilà. Là, je suis entre eux-mêmes, ils ont discuté. Ok. C'est que données ont changé là, dans le moment où on a parlé là. Je parle avec un monde matin, qui a deux pouvoirs. Ici, je le connais ici. Matin débat. Claude Joseph a un mandat de 30 jours. 30 jours depuis qu'il a commencé ou bien à partir de qui? Dès qu'il a commencé, il a 30 jours. Il a un mandat de 30 jours comme. Qui est-ce qu'il est fini? Presque fini. Comme AI. Oui, comme AI. Et dit, il était clair, monsieur. C'est 30 jours qu'il a fait comme premier ministre AI. Je te dis, lapin, t'es gagné combien de jours lui-même? Non, mais ou là, pas la lapin, ou pas bon là? Ou pas songer combien de temps lapin t'es gagné? Lapin était pour le team même temps tout. Et bah, même contexte. Ah, ben ok. Lapin, ou pas bon là même là? Lap suivre. Claude Joseph a un mandat de 30 jours comme premier ministre AI. Parce que après 30 jours, quitte à quoi aboutir, si pas abouti, Jovenel Moïse a une décision que le papa comme président. Oui, il n'y a pas contre famille politique Claude Joseph. Et famille politique lui? Garibaldi, oui. Garibaldi pas en parti politique. Ah, ben ok. Politique, mais où? Eh ben ok. C'est lui même qui n'a bouclier, oui. Eh ben au fin balé, oui. Garibaldi pas, Garibaldi pas mettre bouclier. Ok, ok. Garibaldi pas mettre bouclier, mon frère. Eh ben en dessous. Ils sont éléments de bouclier, mon ah, frère. Ah oui, on éléments de bouclier. Okay. Ouais. Et pas bouclier, des moindres. Bouclier pas n'a fait Claude Joseph. Bouclier par qu'on ait nomination Claude Joseph là. Eh le oui. Président Jovenel Moïse dit prendre décision pour lui. Il mettait Claude Joseph. Ok. Ok. Et je parle avec deux nègres dans le bouclier. Je dis, je ne sais pas qu'on a fait avec Claude Joseph là. Ok. Je ne sais pas qu'on a du tout. Par contre, il y a des gens qui pensent que c'est eux-mêmes. Je parle à deux personnes dans le bouclier. Deux chefs. Deux gros chefs qui battent la tout. Dans le bouclier. Je ne sais pas reconnaître Claude Joseph. Et puis, je dis, je ne sais pas. Ouais, c'est pas tête de problème. Et monsieur, un mandat de 30 jours. Ok. Alors, faut comprendre le mouvement qu'a fait là. Est-ce que vous avez un remettre coup? Un bouclier et puis acheter quoi? Pour venir. Pour venir. Non, mais. Pour venir. Parce que, ouais, bataille ça. Sans parler, parler. Est-ce que vous avez une question, madame, monsieur? De bail coup, remettre coup? Suivez mon regard. Est-ce que dans le dossier ça, par une question de bail coup, remettre coup? Un bouclier et puis acheter quoi? Et puis acheter quoi? Ah ouais. En 2015. Vous avez baillé ça en 2015. Ah oui. Et dans l'élection, côté que. Bon, PHK a fait un jouet pour toute partie qui était alliée, pour observer ensemble avec candidat, parti ça, pour renforcer. Très bien. Mais bouclier est allé plus loin. Parce que bouclier était un gros politique. On parle de tout le pays. On sait de candidats bouclier avec couleur rouge dans le tout pays. Net. Oui, oui. Et bien, c'est ton politique. Là, les gars, on est PHK, ouais, que bouclier. Et il n'est pas venu pour jouer. Ouais. Mais il m'a dit, les gars, pour replier. Il a retiré candidature et Steve Kaoli. Ouais, ouais. Et bien c'est ça, oui. Et bataille ça qui plus gagne là, oui. Ouais. Entre branche PHTK Matelier et bouclier. Donc son coup. Son réponse de 2015 qui a baillé PHTK là. En tout cas, on va regarder pour nous.
Nous allons faire parler avec le sénateur Joseph Lambert et puis ensuite nous allons aller dans le marché Washington. On va aller avec le sénateur Joseph Lambert. Haïti politique, le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert, se positionne-t-il pour une nouvelle transition? Quelles sont donc ses ambitions? Pour dire, mais c'est un peu de temps là, pour grand merci. Quand on a dit temps, mais c'est un peu touché. Qu'est-ce que peut-être? La peut toucher le cobli. Qu'est-ce que peut-être? Depuis quelque temps, le sénateur Joseph Lambert font silence. Et non, si le sénateur Lambert vient une question de maladie. Il y a des gens qui disent que animal politique ça tellement malin. Ou quand une maladie peut être à tout, c'est pour justifier silence là. Non, mais c'est après échec ou bien blocage. Dialogue qui t'a fait tant roi. Oui. C'est après ça, on entendait, on brûle ma couille. Il m'a dit, ouais. J'étais bien brûlé moi, oui. Animal politique, ça. J'étais bien brûlé moi, oui. Pas gagné qui, pas saute la Kali. Pas gagné ou pas tendre sous sénateur Lambert, qui va politique. Brûlant ma couille, sénateur Lambert mourit. Sénateur Lambert mourit, c'est le dans l'hôpital. Il m'a dit, animal politique, ça, de bouton de brûle en moi. Pas pour te bourrer. C'est la terre la pire raide. Et bien, c'est garder une garde de semaine. Nous voyons que sénateur Lambert retourne en force. Animal la sous école. Animal la sous école. Lui retourne en grand monde. Jusqu'à ce que vous entendez, sénateur prend position. Il dit que, pare, ou pas bois. Affaire référendum, non, pare sa pièce. Affaire élection, pare sa pièce. Si, pare négociation. Selon sénateur Lambert, nous allons droite vers une transition. Il faut dire, la première fois, il dit non. Nous sommes Miragouane. Matin débat, Miragouane. Et pas première fois, il dit non. Dans matin débat. Ok? Il dit Miragouane déjà. Et il était ferme à position. Sénateur Lambert était cohérent à lui-même. En garder ambition, sénateur Lambert, matin à l'émission matin débat. Sénateur Lambert, bonjour. Bienvenue à l'émission matin débat. Comment nous est? Tout particulièrement mon sud-est parce qu'on connaît et équipe Kona dans le sud-est parce qu'on est parti politique pas moi Anana m'a passé une seconde des côtes de force en sapite pour m'attirer attention sur ça et pour me saluer à distance. Eh bien, ok, tout ça nous détendait, c'était faux, maladie et brillant m'a couru, c'était faux. Mais t'as pu faire. Bon, l'entrée pour lui. Le chien est libre. Mais mon chien m'a dit où depuis on est malade ici, depuis le patron est forme tête où, il y a couru brûler la mort. Bon, c'est plus. C'est ça comme d'accadio, c'est on tempête, mais on veut de l'eau. Alors, dans le cas précis, on a dit, effectivement, nous toujours consulter des médecins, nous. De pour y venir là, il faut qu'on ait un petit check de temps en temps. Bien. Et pour voir qui est à ouiller, et puis si on va être pour corriger, Bien. Et bien, on a toujours continué à checker les médecins, non? Chaque année, on a toujours fait ça. Et puis, le grand problème, eh bien, publiquement, on a dit, parce que de toute façon, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à la République. Non seulement en tant qu'homme politique, mais en tant que sénateur, doublé d'un statut de président du Sénat et chef du pouvoir législatif. Et c'est avec ce statut de chef du pouvoir législatif que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, s'est rencontré avec le chef du pouvoir judiciaire récemment autour de situations sociopolitiques pays. Très bien. Parlant du Sénat, sénateur Lambert, est-ce que l'état de santé du Sénat est parfait? L'état de santé politique du Sénat. M'attendez trop bien. Parlant du Sénat, est-ce que l'état de santé politique du Sénat est tombeau fixe? Non, il n'y a pas aucun problème. Le Sénat et le sénateur se retrouvent de temps en temps. Et nous retrouvons très souvent même, et surtout ces derniers temps, pour nous évaluer la situation. Et puis, il y a des sénateurs qui prennent position, eux-mêmes tout, publiquement. Bon, il y a des sénateurs qui plus. Médiatique que l'autre, comme d'habitude. Et par conséquent, on attend des sénateurs qui sont plus médiatiques plus souvent que l'autre. Mais la réalité, c'est que
nous liés par un même objectif. Et premier objectif, c'est d'abord faire de telle sorte que et bataille pour que le pays puisse retrouver le chemin de la normalité politique et de la stabilité et la normalité institutionnelle, stabilité politique. Et deuxièmement, faire de telle sorte que le Sénat capable toujours continuer jouer rôle les mêmes dans situation de dysfonctionnement, tout comme le pouvoir exécutif là les mêmes dans anti-jean bancal, et de la même façon que le pouvoir judiciaire là tout les mêmes tout il y a un problème pas ça c'est que les trois grands pouvoirs de l'État ils ont en difficulté et faut que nous faire de telle sorte que nous pas quitter et question de difficulté ça yo et agit sous nous et ça que dernièrement dans une émission que me fait me dit je ne veux dire avec dysfonctionnement Sénat et côté bancal pouvoir judiciaire là et bien le pouvoir exécutif se trouve dans une situation d'essoufflement et de fatigue politique parce qu'à chaque fois l'obligé à prendre un décret et pour les corriger un bagage à chaque les jouer rôle pouvoir et législatif là et non situation pareille. Dans une situation pareille comme ça, eh bien, ça qui arrivait, c'est que vous avez comme impression, et c'est, j'avais bien dit, j'avais bien utilisé l'expression, bien le terme, on a comme l'impression que le président Jovenel, bon sens, il bon semblant de dictateur. Pourquoi? Parce que il réunit tout pouvoir en main, et c'est lui-même qui donne le ton à chaque fois. Alors, dans une situation ça, j'ai profité pendant invitation président et pour nous te rencontrer là. J'ai profité de momentum ça pour me faire président par de position Sénat. Bon, l'homme de position Sénat, c'est la position de la grande majorité. Alors avant tout sénateur Lambert, est-ce que en fait les autres sénateurs en fait du tiers restant, il était au courant de l'invitation au président Jovenel Moïse Stéphane et également position côté exprimé. Est-ce que c'était position sénateur? Et puis, est-ce que discussion était franche et sincère selon vous-même? C'est pas que je n'ai pas dit qu'il n'y a qu'un an que je fais ensemble avec le président Jovenel comme président Sénat et comme sénateur pour que je ne sois pas informé des autres sénateurs. Très bien. Pas rien que je vais faire un pavillon masqué. L'offre pour t'attendre, il dit que nous t'ai rencontré le président Jovenel en cachette. Ben, gagné en cachette, parce que le problème pays a son problème public lié. Un problème d'ordre public, il faut qu'on traite les gens hier. Ça, c'est le premier aspect. Et tous les sénateurs étaient informés. Le sénateur était informé de première invitation que le président a fait au date du 6 avril, que nous pas aller dans le moment ça. Il était informé de deuxième invitation encore, qui était gagné des petits anomalies. Nous pas capable d'aller encore. Et troisième invitation, hein, les sénateurs et moi-même tout, nous avons choisi pour que nous te répondions présent à l'invitation avant-hier. Et deuxième, on avait dit discussion, c'est des discussions qui étaient très franches et moi élaboré sur lui tout à l'heure. Et troisièmement, il était clair tout pour moi-même pour que papier que nous t'ai préparé et autres, etc. Nous t'ai cherché à sentiment majorité sénateur sous position ça que le président du Sénat est à l'exprimer par le président de la République. Très bien. Est-ce que dialogue yo t'es ouverte? On a dit oui. Dialogue yo t'es très ouverte. Et moi-même, d'habitude, pas moi, c'est le franc-parler. C'est franc-parler qui pour permettre au moins nous briser vers là, nous briser glace là. Très bien. Oui, clair. Et ça peut-être que vous n'avez jamais eu une chance pour dire président, pour que au moins nous disions. Je ne dis pas dire président, peut-être, moi dit. Et c'est ça qu'à un certain moment, je dit que le président semblait les prisonniers du silence de la vérité. Parce que il n'y a pas qu'à silencieux avec le président sur ça qui est vérité. Par exemple, la question de référendum, la question de émission de cartes, la question de problème de sécurité. Question grand goût, la vie chère, capé piafé, question maman petite qui pas camé un petit à l'école à cause d'insécurité, peur visible sur tout visage pour pas kidnapper ou même avec toute petite, etc. Bon, regardez ça qui passait après mon rencontre avec le président,
Mais quand vous descendez, vous ramassez 13 machines avec tout le monde au bout de 13 machines. Bon, alors, c'est un scandale. Bon, gardez monsieur en sortant dans le village de Dieu, côté où vous mettez la police, bien l'armée, vous mettez le conteneur, monsieur vous-même vous retirez le conteneur, vous mettez dans position stratégique par vous. Avait dit que il y a un problème. Avait dit que si il y a un problème, eh ben faut que nous parlions problème là, il faut que nous posions parce que n'a uni dans la preuve lorsque nous gain garantie que nous poser même problème là. Et faut que nous parler à fait, pas fait comme d'accord là par la président ou bien l'autre dit on bagaille sur radio et etc. C'est pas ça avait dit qu'au compte président pour ça. Et tout comme il est capable de bonne guerre tout, pour contre président, non bagaille qu'on a fait. Et mais cependant, en tant que responsable d'État, les trois pouvoirs qui incarnent la souveraineté, entre autres, hein, je dis bien la souveraineté nationale, si on échange avec le président dans plus haut, dans plus haut niveau, il ne faut pas masquer la vérité. Hein. C'est ça que nous avons fait dans l'intervention PAM, si vous permettez-moi. Moi, je suis président, je fais tout d'abord après le président au état des lieux. Ok. Montrer le président le problème qui gagne, je veux dire, dans le pays. Eh bien. Deuxièmement, je vais montrer le président, je fais un historique de différentes prises de position. On relève de différentes prises de position qui a adopté depuis 2020-2021. Et ceci, respectivement, par le secrétaire général des Nations Unies, par. Monsieur qui est le directeur général de l'ONU, par Monsieur Mathias Pierre, et côté, ils ont tous parlé de 38% de monde qui peut gagner 4 électorales, ou bien ça va aller Nina, qui peut gagner. Alors, sous bois, aller dans la consultation. Côté article 7 dans le décret président, dit faut que tout le monde qui gagne plus que 18 ans gagne 4 ça, puis est capable de participer. Qui pourra le permettre, entre autres, participer dans une question référendaire ou bien une élection et autres, etc. Bon, si dans la même situation, ça a tout, ou qu'on est, faut qu'on ferme la liste électorale là, liste ça à un certain moment, puis on est capable de préparer la liste électorale. C'est clair, oui. Et toute considération, ça, il faut qu'on ferme. Il y a 38% de monde qui pourra gagner 4, il y a un problème. Il y a un problème. Laisse ça à Kounia et pour dire, bon, on fait 4 seulement pour mon ville. Pour aller voter président, député, sénateur, tout le monde, et puis nèg ambeyo pa la donne. Ou bien on dit on fait 4 pour nèg ambeyo, et puis nèg la ville pa la donne. Eh bien. Et comme ça, ou qu'on est une équipe qui est exclu. À partir du moment que les gens qui besoin fait 4 bas, pas qu'à faire 4 ou bien pas qu'à faire 4 bas, pour aller participer dans le processus, ça signifie que on fait exclusion. D'où, ou bien l'autre prise de position, côté président choisi, on conseil électoral. Sur mesure. Bien. Et le conseil électoral n'a pas assermenté, il me dit tout le temps, par conséquent, il a une qualité pour le juge électoral. Bien. Et deuxièmement, le président fait CCI. Il font CCI avec 5 mounes. Avec 5 mounes. Et il me dit, mais il y a des mounes là-dedans qui même ont arrêté des contre. Ah bon? Alors, je répète encore, même lorsque ça fait. Ça dit... Ah bon, paye pas de compte ça, non? Paye pas de compte ça, sénateur Lambert? Ah bon, ça, il n'a pas réagi. Bon, de toute façon, tout le monde connaît que il y a des gens qui ont arrêté. Ben. Bon, est-ce que je te connais, est-ce que je ne connais pas? Connaît. Mais la réalité, c'est que je vous dis, cette commission, lui-même, il n'a pas de qualité pour lui capable de travailler sur un projet. Ma prie Mme Maniga dans la nouvelle ce matin. Mme Maniga dit au référendum, ce n'est pas pour seulement trancher sur la Constitution. Et au référendum, il nous a fait un référendum pour consulter le peuple là. Sur une route qu'on doit faire, ou bien sur un pont qu'on doit faire, ou bien une grosse infrastructure qu'on doit mettre en place, ou consulter mon dans la région, bon la Kaili même, pour dire, est-ce que je dois faire une route qui passe dans ce ciel là devant l'église Saint-Jacques, ou bien devant la cathédrale là, pour aller tel côté, pour le peuple lui même, bah, à Vili. Et Mme Maniga, Mathieu, encore sur nouvelle liste. Avec dit qui ça? Avec dit question référendum, avec toute complication technique qui vient là. L'homme montre, regarde, Binu qui a une position par le compte. Binu, tu as pour ton appui technique en question. Bon, Binu retire Paul. Ouais. Et que l'idée n'est pas suffisamment inclusif ni participatif. Ça signifie que ça, ça veut dire que l'idée, quand tu es souri, fais autrement. Et sous base ça, mon dit président, ou bien deux options. Première option qu'on gagne, président, c'est. Ça y est, ou clair, ou t'es clair, président, non, écoute là, ou t'es clair.
président. Je dis président, il y a deux options. Et tout ça m'a dit non là, c'est bagarre que me dit président. Okay. Et je me dis président, il y a deux options. Ou bien on a un mode adhérente pour 27 juin,